Alexa, quelle est la météo d'aujourd'hui? À Montpellier, il fait 5 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps constant, avec une température maximale de 11 degrés et une température minimale de moins 1 degré. Le trajet était long, hein. Vous avez vu, hein, j'ai voulu vous faire un petit time-lapse de mon trajet. Là, je viens d'arriver. Je vais me mettre sur le car. Il fait super beau aujourd'hui, c'est dingue. C'est trop bien. Ils avaient dit grand soleil toute la journée, donc je vais en profiter pour aller brancher mon électricité, vu que je suis obligé de me mettre dehors, vu que c'est dans les soutes. Là, je vais en profiter, je récupère ma EcoFlow qui a chargé. Et puis voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous plaît, cette longue introduction. Je voulais vous faire un peu une journée type, voilà, de comment ça se passe un peu ces derniers temps, comment on s'est organisé. Donc voilà, je vous prends avec moi de ce matin au réveil jusqu'à ce soir au coucher. Bon, j'étais tout fier de pouvoir vous montrer les 100% sur l'EcoFlow, mais elle est vide. Parce que le terrain où je suis, quand il pleut, l'électricité coupe. Donc du coup, ça a pas chargé. C'est pas grave, de toute façon, j'ai le power kit dans le bus. Je pense qu'il a dû charger un petit peu là, avec le soleil qu'il y a. Donc tant pis, on va faire sans. Bon, déjà, il y a cette box là qui me saoule. Je m'en sers pour avoir internet dans le car et ça marche jamais. La box, elle marche, mais en fait, il n'y a pas de réseau. J'arrive pas à savoir si c'est que ça capte pas ou si c'est vraiment la carte SIM qui fonctionne pas. Ça a marché pendant un moment, là ça marche plus du tout. Au début c'était la carte SIM et puis ça s'était mis à fonctionner. Et là même dernièrement, des fois il y avait une barre pendant quelques secondes et après il y avait plus de barre, donc je me suis dit que c'était le réseau parce qu'il faisait pas beau, mais là il fait super beau et ça marche pas quoi. Donc j'ai enlevé, remis la carte SIM, j'ai redémarré la box et on va voir. En attendant je m'y mets. Alors, donc j'ai mon arrivée de gaine ici. Et là, c'est un bordel sans nom de toutes mes gaines qui arrivent. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai regroupé toutes les lumières avant, qui sont ici, arrière, ça c'est toutes mes lumières de l'arrière. Et j'ai une autre boîte ici, c'est toutes mes lumières de l'avant. Et le problème, c'est que voilà, ça fait un... Enfin, ça ressemble à rien, quoi. Mes gaines qui arrivent de partout. Là, j'ai fait rentrer chaque gaine dans chaque entrée de la boîte de dérivation, mais ça fait super moche et j'aimerais bien avoir un truc vraiment propre avec... Tous les fils qui sont bien propres. Enfin, je pourrais organiser ça pour faire un truc nickel. Peut-être qu'il faudrait que j'enlève les gaines, que je coupe toutes les gaines à ce niveau-là en gardant que les fils et que les fils, je les fasse bien longer, tous proprement, leur faire prendre un angle en bas, cacher ça dans une goulotte. C'est juste que dans les gaines, je me dis au moins c'est protégé et si je retire des gaines, ben, c'est plus protégé, quoi. Là, pareil, vous voyez, j'ai ma gaine qui part de ma boîte de dérive et qui va directement dans le disjoncteur. Bon, là, on voit les fils sur la fin, mais voilà, quoi, j'essaie de protéger vraiment de bout en bout. C'est très moche. Voilà. J'ai eu un pote électricien au téléphone, du coup on a discuté. Il m'a conseillé de raccourcir les gaines au maximum et du coup de n'avoir que les fils et leur faire prendre un chemin, voilà, joli, à bien les serrer ensemble avec un serre-clip. Alors ça, je comptais mettre des serre-clips, mais autour des gaines, ça faisait quand même des gros pâtés. Là, j'ai démêlé toutes mes gaines. Alors ça se voit pas, mais il y a tout qui est démêlé, qui est mis en groupe. J'ai plus qu'à toutes les dénuder, à mettre mes fils ensemble. Je vais mettre mes boîtes de dérive au fond, en fait. Je vais les mettre au fond du bus. Comme ça, au moins, je vais pas avoir de problème de longueur de fil parce qu'en leur faisant prendre un chemin, mes fils, je vais avoir moins de longueur. Donc, je vais à ma boîte de dérive tranquille. Et ensuite, on a beaucoup discuté. Et ça, c'est un truc que je règle au niveau de la répartition des puissances, savoir qu'est-ce que je mets où au niveau de mon tableau de répartition. Enfin, au niveau de mon disjoncteur, quoi. Savoir, par exemple, ne pas mettre le chauffe-eau avec les plaques, avec le four, tout ensemble, quoi, ce genre de choses. Donc ça, j'avais déjà mon idée de répartition. On va dire niveau sécurité, savoir par exemple mettre le lave-vaisselle sur un disjoncteur à part, ce genre de choses, mettre les plaques à part. Mais il me disait le problème, c'est que même si je mets, par exemple, j'ai un four, lui normalement c'est bon, il consomme pas beaucoup, mais par exemple si je mets le four avec le chauffe-eau, si les deux tournent en même temps, ça risque de tirer beaucoup sur le même et ça risque de sauter. Sachant qu'en plus, je crois que tous mes disjoncteurs ne prennent que 10 ampères et c'est vraiment pas beaucoup. Et en fait, je suis un peu dans le caca parce que je peux rien foutre quoi sur du 10 ampères. Pardon pour les gros mots. Je ne peux rien mettre sur du 10 ampères. Je peux mettre que dalle quoi, à part des prises et ça va être problématique. Donc je réfléchis peut-être à faire sauter à la limite ce tableau électrique et mettre mon propre tableau électrique. Du coup, je perdrai tout le côté connecté, statistique et tout qui est avec le tableau EcoFlow, mais au moins je pourrais mettre à la puissance que je veux quoi. Voilà, à voir. Après, c'est peut-être pas du 10 ampères, mais bon, il y a marqué 10 dessus, quoi. Là, partout, il y a écrit 10. 10, 10, 10, 10. Donc, logiquement, on se dit que ça veut dire que c'est du 10 ampères. Ça me paraît plutôt évident. Voilà. Bon, déjà, au moins, je vais mettre du propre là-dedans. Mon père m'a prêté sa DYMO pour pouvoir étiqueter. Sauf que mon papa m'a donné une DYMO sans papier. Il n'y avait plus de papier. Je pense qu'il ne savait pas et moi non plus. Donc, je vais utiliser un truc que j'avais acheté il y a longtemps. Ça. C'est une étiqueteuse, c'est pas comme la DYMO parce que la DYMO on peut faire la longueur qu'on veut alors que l'étiqueteuse elle va me sortir que des étiquettes comme ça. Donc je vais devoir raccourcir un peu mes mots. Voilà, allez go. Bon, il y a Alison qui vient de m'écrire pour me dire qu'elle était en route. Elle a amené Liam à son père pour qu'il le garde le temps que nous on installe. On voudrait en fait commencer à monter les commodes qui vont venir se mettre devant la salle de bain. Là, elle m'a dit qu'elle était en route de préparer les meubles, mais j'ai pas collé le lino. C'est vrai que j'aurais dû commencer par coller le lino avant de faire l'électricité. Mais je sais pas, je voulais avancer sur l'électricité, je pensais que ça me prendrait moins de temps. Surtout que j'ai pas fini, là encore j'ai pas mal de boulot. Je pense que je finirai demain. Là, je vais récupérer mes meubles qui sont à l'abri. Et on collera le lino ensemble. Je vais me faire un peu engueuler, mais c'est pas grave. Allez, go! Hop. Allez, là au boulot. Avec le mur, on fait comment? Bah comme ça, tu pousses, ouais, tu pousses. D'abord, c'est pas grave, ça touche le mur. Après, tu frottes, ça s'en va tout seul. Ah ouais. Fais du bien de te regarder bosser. Un peu, hein. Bah allez, moi je vais faire sur le lino. Il est 17h40, on a fini pour aujourd'hui. On a eu le temps de monter, on a eu le temps de coller le lino. On l'a plutôt bien collé, c'est cool. J'ai encore l'odeur du néoprène dans le nez. On a monté la première commode, on n'a pas encore monté les tiroirs, il reste 2 pieds à mettre, le bloc du fond, mais ça c'est des trucs rapides. Et il s'est mis à faire nuit rapidement, et en plus comme j'étais encore en train de bosser sur l'électricité et que j'ai pas terminé, j'ai tout déconnecté dans la soute, donc on n'avait pas de lumière. Voilà, donc retour, tu conduis bien dis-moi. Retour à la maison. Enfin d'abord on va chercher Yann, et ensuite retour à la maison. pourquoi je prends le temps de vous faire cette vidéo. Song, dancing to